And a quick announcement today that memorabilia from today's match is now on sale in the stadium hall. Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour le début de cette nouvelle saison. Et pour ce lancement, nous avons une belle affiche à vous proposer entre deux équipes très différentes et qui partagent l'ambition de démarrer par une victoire. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. Ça ne vous aura pas échappé, le match a bien débuté. Dites-moi Darren, qui sera pour vous le joueur de cette rencontre ? Alors, sans tomber dans les clichés, on peut dire que les Italiens ont une grande addition de produire de bons défenseurs. Eh bien, Alessandro Bastoni en fait partie. Il est jeune, mais quel sang-froid! Ça lui a valu d'ailleurs les louanges de certaines légendes du foot italien, aussi bien pour sa solidité défensive que pour ses diagonales. Oui, c'est un joueur que j'apprécie autant que vous. Alessandro Pato! Il est bien trouvé! Allez, c'est dangereux! Quelle passe tire encore! Ça s'est joué à rien! Oui, il n'a pas réussi à cadrer, il va s'en vouloir! Emerson. Messina. El Shaarawy, il a de l'espace. Oh, la grosse occasion! Un centre! Vinicius Junior. Dans la profondeur. La bonne interception. Bastoni. Neymar. Bien, la profondeur. Ce sera un coup franc. C'est joué vite. Bien vu, c'est intercepté. Oui, très bonne anticipation. C'est joué long. Attention, ça peut aller très vite. Sensi. L'interception, bien joué. Bon, ok, mais la passe était peut-être un peu téléphonée. Oui, c'est bien défendu, c'était dangereux. Ah oui, mais quelle intervention. D'autant plus cruciale qu'ils étaient en infériorité numérique. Ah, c'est vraiment frustrant. Ils avaient pas mal d'options sur ce coup. Le bon ballon. C'est bien fait. Il va se présenter. On peut y aller. Fabuleux! Fabuleux ce but de l'Italie! Oh, que c'est bien joué. C'est parfois si simple le football. Un ballon en profondeur et un coéquipier pour le glisser au fond des filets. Oui, le service était impeccablement dosé. Ça l'a parfaitement lancé. Et derrière, il ne tremble pas. Les voilà donc devant, c'est un but qui vaut cher. Et tout le stade s'est levé sur ce but, les joueurs vont se nourrir de cette énergie. C'est trop long, pas assez précis. Vinicius Junior. Oh, Alessandro Pato, il est là, à la réception. Faut tirer là. Techniquement, c'est superbe, mais ça ne donnera rien. C'est quand même extraordinaire ce qu'il arrive à faire avec la balle. J'adore tous ses dribbles. Et voici le premier corner de cette rencontre. Ça ne donne rien. Attention, la frappe! El Shaarawy. Oh, la belle contre-attaque. C'est joué dans l'espace. Chiesa, qui est bien placé. Il est passé. Le soutien. Oh, le tir!
Oh, le poteau. Joli tir, ça méritait d'aller au fond. Vinicius Junior. C'est osé, peut-être une occasion pour Neymar. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en... Alexandre Pato. Chiesa, bien placé sur ce long ballon. Messina, il avait bien lu cette passe. Oui, il a bien anticipé. Il a fait l'appel et la course qu'il fallait, mais ça s'arrête là. C'est joué dans la profondeur. Alexandre Pato qui centre. C'est une remise en jeu. Roberto Carlos. Casemiro. C'est bien fait, ça. Oh, il faut frapper. Quelle autorité, Bastoni. Donc ça va partir vite. Sensi. Messina. C'est intercepté. Quelle bonne lecture. Bon, ok, mais la passe était peut-être un peu téléphonée. Il y a peut-être un coup à jouer. Ça passe à droite. Bien servi. Il prend sa chance. Ça peut être extrêmement dangereux. La longue passe. Oh, le tacle. Bien vu, c'est intercepté. Oui, très bonne anticipation. Pessina. Ça sort, touche. Mais ça n'arrivera pas, pas assez précis. La belle inspiration. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer. À mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer et on tout de suite. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien, il y a de l'application dans les gestes et personne n'a peur de tenter sa chance. C'est bien. 1-0, on espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Et voilà une avance qu'il va falloir défendre maintenant. Et pourquoi pas tenter de faire le break rapidement? Il tente de la jouer dans l'espace. Ça joue à gauche. Ça revient dans l'axe. L'interception, bien joué. Bon, ok, mais la passe était peut-être un peu téléphonée. Peut-être une occasion pour Alexandre Pato. Oh, j'en connais un qui attendait ce ballon. Quelle frustration quand même. Sensi. Avec Calabria. Ça ne passera pas. Vinicius Junior. Le bon dribble. Corner à suivre. Le Brésil va tirer son deuxième corner dans cette rencontre. Alors qu'en face, ils n'en ont pas eu un seul. Pas très bien joué, ça. Attention au contre. Attention, la roue tourne. Il peut frapper. Sensi, ça peut partir en contre. Et voici Calabria. L'Italie qui mène d'un petit but. Allez, il faut faire plus pour se mettre un peu à l'abri.
frapper là. Il est allé au bout de son action. Bien joué. Oui, superbe action. Ça manque juste un peu de précision. Il combine plutôt pas mal. Oh, bon ballon. Ah, pas de réussite. Ils ne se sont pas compris. Casemiro. The attendance for this match was 72,306. La bonne passe. Quelle fait du bien cette interception. Ça part en contre. Sensi. Il est bien placé. C'est bien donné. Chiesa. Allez, de la tête. C'est au fond des filets. Le break est fait, 2 buts d'écart désormais. Ils ont perdu le ballon dans une zone très dangereuse. Et derrière, c'est allé très vite. C'est une punition express. 2-0, le break est fait, on est reparti. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. À 2-0, on respire un peu mieux. Substitution in progress. C'est joué long, attention. Bien vu, c'est intercepté. Vinicius Junior. Voilà une bonne occasion de contre. Il cherche la profondeur. Il est passé. L'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau. Et cette tête. Et voilà le but. Il compte désormais 3 buts d'avance, leurs adversaires sont KO debout là. Ça a été très fluide, de la récupération de balle jusqu'au dernier geste. Un vrai bonheur à regarder. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Ils ont l'air sonnés en face, Grégoire. Il va vite falloir trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie. S'il le trouve, il y a peut-être un coup à jouer. Il frappe et ça rentre. Oh, le résultat est déjà assuré, mais il continue. Il continue. Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. Il a bien exploité l'espace devant le but et à partir de là, c'est très difficile de l'arrêter. But. Il y a un monde d'écart entre ces deux équipes et encore, je suis gentil. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très très mal. Oui, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Quelle occasion, attention! Il est renvoyé par le poteau. Il rejoue derrière lui. Il a de l'espace. Il n'a pas eu le temps de se mettre en position de frappe. Roberto Carlos. Il joue sur sa gauche. Ça joue bien la largeur. Le bon sang, la tête. Et il voit sa tête s'envoler. Le bon dribble. Faut frapper là. C'était mal parti dès le départ. C'était bien tenté, ils étaient nombreux sur lui quand même. Et le 6 mètres directement sur lui. Chiesa. Oui, ça pouvait être dangereux, il fallait impérativement l'arrêter. La défense est très solide. Non, c'est récupéré.
dans la profondeur. Philippe Coutinho. Neymar reçoit le ballon. Il a du champ sur le côté. Quelle inspiration, Coutinho. Le centre devant le but. There will be 3 minutes at a time. Emerson. Bon service dans la profondeur. Va-t-il en profiter? Énorme occasion. Et ça passe à côté. L'Italie a réussi son pari, la pression était forte, mais le résultat est au bout.